Même ici, la RNC impose son ombre. Où est-ce la vôtre, courrier ? Libéré du poids du cadavre de l'ours. À en juger par votre ombre, vous êtes peut-être incapable de laisser partir votre machine. C'est sans importance. Quoi qu'il en soit, les géants de la ligne de partage s'éveillent. Les missiles s'apprêtent à rentrer chez eux. Il n'y a aucun moyen de les arrêter. Vous avez répondu à votre propre question. Et vous allez mourir avec cette question sur les lèvres. Vous ne voyez pas, n'écoutez pas alors même que les preuves sont autour de vous. Vous martelez le crâne au nom de César, ne servirait à rien. Vous avez donné vie à la ligne de partage, courrier. Vous avez parcouru la route. Puis l'ours, le taureau et moi avons suivi vos traces. Et en voyant la ligne de partage que vous aviez créée, j'ai vu une seconde chance, un nouveau mode de pensée. Mon monde. Fini pour moi, l'Est. Ensuite, vous avez apporté l'Ouest, ficelé dans ce paquet. Vous avez tout détruit. Vous m'avez presque anéanti, le corps, comme l'esprit. Vous avez détruit quelque chose de plus grand que l'ours et le taureau. Et vous l'avez apporté de nouveau avec cette machine. Vous avez anéanti une nation qui venait de voir le jour. Un endroit qui aurait pu devenir mon foyer. Maintenant, je vais détruire le vôtre. Non, c'est un but. Je vous crois quand vous parlez de votre insouciance. La ligne de partage, le jeton, la machine que vous avez amenée ici. Il y a de nombreux messages à tirer de tout ça, intentionnels ou pas. Ce que je vais accomplir est un acte de conviction. Faire des reproches? Non. J'ai appris auprès de vous. Vous êtes à la fois l'arme capable d'abattre une nation et la force capable de la bâtir. Vous m'avez montré une manière d'envoyer mon message. Vous avez déjà payé pour ce que vous avez fait. C'est maintenant à votre drapeau d'en répondre. Pas le Morave, l'Ouest, ce qui a été bâti depuis la mort de l'Amérique. Les symboles d'avant-guerre sont aujourd'hui brandis par une tribu d'enfants. Vous avez vu l'Ouest et l'avez quitté. Vous savez pourquoi? L'ours grandit sans structure, se réfère à un symbole dont il ignore l'histoire. Dans la mesure où vous avez renforcé l'ours, tout en connaissant ses faiblesses, il est d'autant plus logique de ravager votre foyer. Ensuite, un seul drapeau flottera sur le Morave, qu'il flotte au vent ou se déchire lui-même. Pas besoin de détruire l'ours. Il suffit de lui trancher la gorge. Vous me l'avez enseigné sur la ligne de partage. Il suffit de couper la voie de ravitaillement, la route, pour tuer quelque chose de grand. Je vais transformer la longue 15 en ruban de feu, isoler le Morave. La RNC se repliera.
perdra le barrage, et sa gorge sera exposée à la Légion. Vos actions témoignent d'une force certaine. Si vous parlez au nom de l'ours à deux têtes, je vous écouterai. Même si je dois être le seul à vous entendre. Si vous pensez qu'il ne devrait pas mourir en ce jeu. L'histoire l'a prouvé. Notre histoire. Et vous pensez avoir cette force. Assez pour toute la RNC. L'Ouest n'est pas la ligne de partage. Et rien de ce que vous pourrez faire n'empêchera le lancement. Me convaincre ne changera rien. Ah, la tromperie. Votre nation brûlera comme prévu, et les derniers mots de son messager n'auront pas été pour ses habitants. Je vais achever l'œuvre de l'histoire. Si la ligne de partage n'a pas réussi à vous tuer, peut-être que ces lances de l'Ancien Monde. Finissons-en. Qu'est-ce que tu veux? Les morts.